Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis le dernier épisode qui normalement est sorti il y a 2 jours si je n'ai rencontré aucun problème et ça c'est pas dit. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour cet épisode normalement 5 si je ne dis pas de bêtises de ce let's play sur Sword Art Online Alicization Lycoris. Dans le dernier épisode nous avions rencontré Medina qui est donc le nouveau personnage exclusif à cette histoire. Avec un background qui semble assez intéressant, donc une paria, j'allais dire une noble, mais une paria donc qui veut redonner l'honneur. Non, je dis n'importe quoi, redorer l'honneur, je dis n'importe quoi. Je suis complètement crevé sur sa famille, étant donné que bon voilà, c'est des parias et tout ça, donc c'est ce qu'on en a compris un petit peu. Elle veut devenir chevalier de l'intégrité, c'est pour ça qu'elle va certainement aller à Zakaria, là où il y a le tournoi d'escrime, et normalement quand tu réussis le tournoi d'escrime, tu peux intégrer l'école de formation pour devenir chevalier ou je ne sais plus quoi, là où Kirito et Eugeo se retrouvent après, et à partir de cette école tu peux devenir potentiellement chevalier de l'intégrité. Donc il y a pas mal d'étapes, mais donc a priori l'étape du tournoi d'escrime à Zakaria devrait avoir lieu dans le jeu alors qu'elle n'avait pas eu lieu dans l'animé. Elle avait eu lieu dans le light novel, le manga je ne sais pas, mais dans le light novel elle avait eu lieu. C'était d'ailleurs un passage que j'avais beaucoup aimé, j'étais très déçu qu'il soit pas dans l'animé. Donc si on peut l'incarner dans le jeu, je serais très content. J'espère que ça va être le cas. On verra bien, hein, mais j'aimerais bien que ce soit le cas. Ok, donc c'est potentiellement la ville de Zakaria, avec son énorme colisée, peut-être là où il y aura le duel, surtout le tournoi d'escrime, pour intégrer l'école de formation, je ne sais pas, en tout cas j'aimerais bien, comme je le dis, je n'arrêterai pas de le répéter parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais voir dans le jeu, et qui je pense permettrait de mettre en situation, en gros de t'apprendre les bases du combat, hein. Typiquement ça risque d'être, enfin si c'est mis en place, je pense que c'est vraiment le moment de t'apprendre pas mal de choses. Oh un mouton, je peux y aller? Ah non, non d'accord, c'est juste du décor. Et il est bien malade votre mouton. Donc ok, ça c'est du décor, je ne peux pas m'y rendre. Terre agricole du nord, très bien. Je vais enregistrer ça. Ok parfait. Il y a pas mal de choses. J'aime beaucoup cet aspect, même si on n'est pas non plus sur un open world, on est sur des zones beaucoup plus grandes et beaucoup plus vivantes que ça n'avait pu être le cas sur les anciens jeux Sword Art Online, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On n'est pas non plus sur un open world du standing des jeux qu'on a maintenant, mais pour un jeu SAO, c'est bien mieux. はい。それでは失礼する。本当に行っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。うん。そうだね。よし。それじゃ行くか。 ルーリットの村を出発した数日後、俺たちはザッカリアにたどり着いた。そして、ザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5回、衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。決して負けは許されない。俺たちは大会に備え、ザッカリア近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いた。そして運よく ブロックが東西に分かれた俺たちは、それぞれに優勝を目指す。途中、俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠を、アインクラッド流剣術で跳ね返し、無事俺とユージョンは共に優勝を果たし、衛兵隊への入隊許可を得る。そして入隊から6ヶ月後、定律修験学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは、
俺たちはノーランガルス定律中堅学院の入学試験で上位12名の初等練士はそば好き練士となり、俺を選んだのは上級修験士自責歩く戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩。勇士を選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身のモサゴルゴロッソ・バルト先輩。俺たちは修験学院で2年になり、卒業後四帝国神前剣術大会で勝ち抜き、聖号騎士となればこの世界を管理する氷協会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。友情は幼なじみアリスを助け出すため、そして俺は外部との連絡を取るために、こうしてそれぞれの目標を胸に修験学院での生活は幕を開けた。まさか修験学院で剣技や新生術だけじゃなく歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし勉強なんて久しぶりだから。試験もあるんだろ。ここに来てまで試験勉強することになるとは。ここに来てまでって？いや、なんでもない。それにしても未だに実感が湧かないよ。君と二人で入学試験を突破して今ここにいるなんて。でも友情はザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。ついまだまだだよ。入学試験の成績はキリトの方が上だったしね。おいおい、俺はこれでも友情の師匠だぜ。それはそうだね。何はともあれ、お互い入学試験の成績で12位以内に入れてよかったよ。でも、そば好き練士なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね、僕も驚いたよ。最後の月にある進級試験に合格し、学院の2年時に上がった高等練士の中でも特に試験でいい点を収めた12名は上、つまりエリスグリのエリートと言っていい。上級修験士には身の回りの世話や稽古の相手をするそば好き練士が、そして新入生である初等練士の中で入学試験成績が上位12位以内に入った者は、上級修験士には12人しかなれないなんて。そな、でも俺たちはそば好き練士になった。寮の清掃や雑務は免除される。しかもその優秀な上級修験士の稽古の相手をできるんだ。あ、どうした友情？キリト、僕たち大事なこと忘れてるよ。大事なこと？キリトも僕も上級修験士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか。急ごう。って言っても僕は上級修験士の男子寮。キリト、確か約束の時間は授業が終わった後、次の時告げの鐘が鳴るまでだったはずだ。ああ、じゃあまた後で。お前をそば好きに任命した時に自己紹介は済ませたが、改めて挨拶をしよう。私は上級修験士ソルティリーナ・セルルトだ。1年間よろしく頼むぞ。
俺はキリトです。こちらこそよろしくお願いします。私のそば好き練士として、お前にはこれから毎日私の稽古に付き合ってもらうことになる。その他にも部屋の掃除や身の回りの世話など雑用を頼むこともあるだろう。わかりました。先輩のお役に立てるよう最善を尽くしたいと思います。それは心強い。私もこの1年間お前に私の知る全ての武術を教えるべく努力したいと思う。それでは早速だが、今日は私の稽古に付き合ってもらおう。はい。Ok, bon, comme vous l'avez compris en écoutant, enfin si vous avez suivi un peu mes explications de tout à l'heure, je suis dégoûté qu'ils aient encore zappé ce tournoi qui pour moi était vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin en tout cas j'avais trouvé ça vraiment sympa dans le light novel. Ils l'ont encore une fois zappé, mais après c'est vrai qu'en termes de scénario, ils se servent du fait que Kirito et Eugeo ont intégré une académie, une école pour apprendre l'escrime, afin de nous apprendre à combattre dans le jeu. Et je trouve ça vraiment intelligent hein, d'avoir fait ça comme ça, et de pas nous avoir introduit l'ensemble du gameplay un peu à l'arrache auparavant. Là, ça se justifie, on va certainement apprendre de nouvelles choses, je suppose, en termes de combat, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore, donc je trouve ça étonnant qu'on ne les ait pas encore expliquées. Donc c'est sûr que ça va venir au niveau de l'école d'escrime. Donc ça se justifie. Par contre, ce fichu tournoi de Zakaria, j'en ai ras le bol qu'il soit toujours zappé. Faut dire que ça a l'air d'être une adaptation de l'histoire de l'anime, remasterisée avec forcément des nouveaux personnages et une intrigue revue, mais quand même, je suis un peu déçu. Skinny, desu ka? Ah, watashi wa ryugaku shiken de mita omae dakara koso, koushite.お前と剣を交えてみたくてたまらなかった。ソルテリーナ先輩は上級修験士の中でも自責に位置する。そんな先輩がなぜ入学試験の成績が7位だったの？どうした？早く来い。あ、はい。OK, donc je vais effectivement apprendre la base des combats en duel, qui est quand même mieux que me laisser contre administrateur et galérer pendant je ne sais combien de temps. Alors, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Verrouille l'âme, ok. En mode duel, lorsque l'attaque d'un joueur touche la garde d'un ennemi, d'accord, très bien, appuyez sur carré lorsqu'il apparaît au centre de l'écran pour repousser l'ennemi. Ok, c'est très bizarre. Bah alors? Qu'est-ce qu'il fait? Bah moi je veux bien hein. D'accord. Ok. Ah j'ai perdu. Ok. Ah je suis étourdi. Ah faut se réveiller maintenant monsieur Kirito. Ok, on se bat toujours avec notre petit bâton. Ok. Ok. Bon, et ensuite? T'imagines, tu maltraites quelqu'un comme ça? Alors, vous vous entraînez ensemble, tu la maltraites à ce point. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pas compris. Il s'est passé un truc. C'est sûr que je vais comprendre plus tard ce que je viens d'activer, mais là j'ai pas compris. J'ai activé quelque chose sans faire exprès. Très bien. Bah ok. J'ai rien appris. J'ai absolument rien appris. Je ne sais pas à quoi ça a servi. よくやったぞ。やはりお前は入学試験で見た通りいい筋をしている。いえ、先輩の剣を受けるのがやっとでしたよ。
ソルディリーナ先輩の剣はこの世界の中でこれまで交えてきた剣とは違う。そう、この剣は勝つための剣だ。入学試験で多く見たノルキア流よりも早く確実。ソルディリーナ先輩、さっき俺の剣を防ぐときに使った技は何ですか？あれはセルルト流の極意、活水という技だ。相手の打ち込みを刀身で滑らせつつ受け流し、そして相手の体勢を崩す。なるほど、予想外の動きで思わず圧倒されてしまいました。これが我が家に伝わるセルルト流だ。セルルト流。先輩、ぜひ俺にもその流派の技を教えてください。それはしかし。もちろん無理にとは言いませんけど、セルルト流には他の流派にない実践。わかった。1年かけてお前にセルルト流の技を教えよう。では今度は私の番だ。お前の剣技について教えてくれ。一体お前の流派は何なのだ？俺の流派は。ほう、良い名だな。これからお前に見せてもらうアインクラッド流の技を楽しみにしているよ、キリ。ありがとうございます。俺も先輩の剣術指導を受けて精進したいと思います。教えるのは剣だけではないぞ。無知や他の武器を使った戦闘の相手もしてもらう。本当ですか？ああ、楽しみにしていてくれ。それでは、今日の稽古はこれで終わりだ。疲れているところ悪いが、少し休んだ後、友情もですか？そうだ、二人が揃ったらまた説明する。わかりました。それでは、友情に声をかけてきます。ああ、よろ。それからキリト、私を呼ぶときはリーナで構わない。え？家族や友人は私のことをそう呼んでいる。わかりました、リーナ先輩。うむ、ではまた後でな。ユージ、お疲れ。ちょっといいか？何、キリト、大丈夫か？かなり疲れてるみたいだけど。うん、ボルゴロッソ先輩の指導はすごいよ。あ、そうか、大変そうだけどよかったな。疲れてるところ悪いんだけど、ソルテリーナ先輩から呼ばれたんだ。え？僕も一緒に？なあ、詳しいことは二人揃ってから説明するってさ。わかった、用意するよ。リーナ先輩。来たか、二人とも。ソルティリーナ先輩、はじめまして。ユージオ初等練士です。よろしくお願いします。ああ、ユージオ、こちらこそよろしく頼むぞ。それでは、二人揃ったことだ。私がお前たちを呼んだ理由を話そう。実は、王都セントリアの衛兵隊から修剣学院へいくつか仕事の依頼が出されてな。衛兵隊から？うむ、近年、獣の様子がおかしいという話を聞くだろう。それで溢れた仕事が修剣学院に来ている。ああ、だが名目上は課外授業という形になる。
それってなんだか衛兵隊に都合よく使われているような気がしますね。そう悲観的になるなよユージは。面倒くさい申請書なんかを出さずに北帝国を自由に歩けたり実戦を積んだりできるんだぜ。まあそれもそうだね。そう思うと悪くないかも。学院から今回の課外授業は最低3人で組を作ってから参加するようにとの要請があってね。聞くところによると獣の数が多いためにそうなったらしいのだが。なるほど。それで俺たちは。ああ、ゴルゴロッソからもユージオに実戦を経験させる良い機会だから声をかけてみてくれと頼まれてな。二人が良ければ私はこの課外授業を受けようと思う。もちろんです。やらせてください。はい、僕もです。わかった。それでは私は課外授業を正式に受諾する旨を学院に伝えてくる。それまでにキリトとユージオで必要なものを揃えてきてくれないか。わかりました。二人で揃えてきます。よろしくな、二人とも。そういえば頼む。わかりました。あの、いいですか？おい。ところで、ok, donc on nous... Ouais, en fait ils ont introduit un élément scénaristique pour que tu puisses te balader partout dans la ville. C'est plutôt agréable, surtout que là la ville a l'air d'être plutôt sympa. En tout cas déjà l'académie a l'air d'être plutôt stylée. Donc il faut que j'aille acheter quelque chose à la boutique. À la boutique qui se trouve à 215 mètres et je... J'ai des gros ralentissements. Il me dit de faire le tour par là. Bon, écoute, je vais suivre son chemin, même si je suppose que je pouvais passer et couper par là-bas. C'est pas très grave. Au moins, ça fait un petit peu découvrir le paysage, le décor avec... Oh, l'énorme tour dont j'ai oublié le nom. J'ai déjà oublié son nom. Tac, tac, tac. Je récupère ça, des feuilles de menta. Pourquoi tout ce qui est pomme de terre, c'est pomade de terre et menthe, c'est menta. Je ne sais pas. Par contre, il y a encore des ralentissements hein, dans l'académie. On va pas se mentir que la perte de FPS est visible. Enfin, peu importe. Bon, on va pouvoir se diriger dans la ville et ne pas rester que dans l'académie, ce qui est une bonne chose. Même si ouais, je trouve que l'académie est très stylée. Je ne sais pas si on peut se balader dedans ou pas. Ce serait bien de pouvoir avoir un truc complètement ouvert et où on peut se balader un peu partout. Mais je n'y crois pas trop. J'ai pas testé. Et je pense pas que ce soit le cas. Par contre, le fait qu'on ait accès au reste de la ville, ça, c'est cool. C'est vrai qu'on aurait pu rester complètement bloqué dans l'académie et devoir faire ce qu'ils nous demandent, alors que là, non, on peut se balader en ville et ça, c'est vraiment bien. Ah bah tiens, élève de l'académie. Medina ? Medina ? Medina ! Kengi o migaku te itteita shi, kimi mo yappari shuken gakuin ni haittan da ne. 話は終わり。私急いでいるから。 おいメディナ、久しぶりに会えたんだし積もる話も。語るような思い出はない。そんなこと言わないでくれって。ユージオとも何度もメディナの話をしたんだぜ。うん、僕たちも剣術大会や衛兵隊での暮らしで忙しかったんだけど、メディナの方はどうしているのかなってキリトと話したりしていたんだ。貴様たちと過ごしたのはほんの一時だけ。私のことを話す義理はない。な、どうしちゃったんだよメディナ。これはこれは、見てみろウンベール、あれがオルティナノスケだ。相手は平民とはいえ冷たい人間ですな。貴族である我らでさえ話しかけるのをためらってしまう。仕方あるまい。オルティナノスケは一般的な貴族とは違う特別な一族なのだ。
ですな。共に過ごす学院生活が楽しみで仕方ありません。私もですよ、アンティノス殿、ジーゼック殿。少々言い回しに違和感を覚えましたが、お二人のオルティナノスを称える言葉、確かに受け取りました。行くぞ、フンベール。メディナは貴族だったんだね。まあ、だから剣術大会には出なくとも修剣学院の入学試験を受けることができたんだ。とはいえ、追いかけよう、キリト。ああ、メディ…ムカつけ、ムカつけ、ムカつけ、ムカつけ、ムカつけ、ムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつく。メディナ、いたのか、キリト、ユージオ。違うんだ、今のは。ついライオスたちの言葉に怒りが抑えきれなくて。すごいな。え、特に最後の連撃からの一撃、一体どういう技なんだ。方法はわからない。気づいたらできていたんだ。私のあんな言動を見ても聞くのは技のことか。メディナがらしくない行動を取ったからって、そのことを気にして態度を変えるようなことはしないよ。確かにそういう男だったな、キリトは。こんなところにいたのか、メディナ。何か用ですか。お前とはもう一度話し合っておくべきことがあると思ってな。放課後私に会いに来い。いいな。わかった。今のって…気にするな、ただの知り合いだ。本当だ、疑うな。わかった、信じるよ。うん、僕もだ。相変わらずだな、貴様たちは。懐かしいだろ。多少な。改めてもう一度会えてよかったよ、メディナ。うん、これからもよろしくね。Ok. Établissement de la capitale. La capitale de Centauria abrite un certain nombre de boutiques. Boutiques d'armes, d'armures, d'objets et de matériaux. Ouais, un petit peu comme dans toutes les villes principales. L'établissement de la capitale pour la forge, la gravure, l'alchimie. Ah oui, putain, il y a même de l'alchimie. Ou la cuisine. Vous pouvez fabriquer des objets. Bon, d'accord. Très bien. À propos de la teinture. D'accord, on a aussi une teinture. Bref. Medina, il y a un truc qui me trouble avec elle. C'est le fait qu'on voit pas son œil. Enfin, sauf que... ça contredit un peu ce que je pensais. C'est, je me dis depuis le début de la cinématique on voit pas son œil, donc ça se trouve elle a brisé le sceau qu'ils ont, que chaque habitant de l'Underworld a au niveau de son œil pendant la période où on ne l'a pas vu. Sauf que au dernier moment on a entrevu son œil. Alors je sais pas si c'est juste une erreur au niveau de la cinématique et que ils ont quand même modélisé son œil, sauf qu'au final il était pas censé être là, ou alors effectivement c'est juste qu'elle cache son œil sans trop de raison. Mais bon, parce que pour moi on voyait ses deux yeux et maintenant on les voit plus. Enfin bref, et les deux autres connards sont effectivement ici aussi. Haha, les deux autres connards. Vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? Si vous avez suivi l'animé, évidemment. Mais bon, c'était pas étonnant. C'était sûr qu'on allait se les taper un moment ou un autre. Dozo. Sateto. Bon, on va se rendre à notre point de rendez-vous. Il y a encore une quête secondaire dans le coin. Il y a l'air d'avoir vendeur de nourriture. Ok, vendeur. Il y a eu l'air d'avoir beaucoup de vendeurs de nourriture différents. Ça se trouve, ils font chacun une spécialité, genre de la viande ou autre.
Ce qui fait que tu peux après faire des préparations particulières en allant voir à chaque fois un vendeur. Ce qui est un peu con de pas avoir tout réuni en un seul et même vendeur, mais c'est au moins plus RP, j'allais dire, plus roleplay. Marchand d'armes. Je suis pas sûr de pouvoir acheter grand chose là actuellement. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des choses? Épée en fer. Ok, bah de toute façon, j'ai même pas d'argent. Donc en vrai. Ok, donc les épées EGO ne peuvent pas avoir autre chose que des gros qu'une épée en fait. Les dagues. En fait, Kirito peut tout avoir. Et il y a absolument rien en fait, quand même, pour l'instant. Vivement qu'on ait un petit peu plus de choix au niveau des équipements. Parce que c'est vrai que c'est très limité pour l'instant. Bon. On doit retrouver Rina. Rina-senpai. お待たせしました. Hmm. 2人とも課外授業への準備は万全か? はい、任せてください。 いつでも大丈夫です。期待しているぞ。 さて、それではみんなで協力しつつ。 Ok, donc dorénavant, je vais même pouvoir sortir de la ville et donc potentiellement retourner à Zakaria, qu'on n'a pas encore visité, retourner à Rulid. En fait, on peut vraiment se balader même durant cette phase de jeu, ce qui est plutôt cool. Bon, bah écoutez les amis, ça fait déjà 30 minutes moi que je suis en train de record cet épisode. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère sincèrement que ce nouvel épisode vous aura plu. Au niveau de l'histoire, bah, ça avance tranquillement. Après, c'est beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans l'animé. Mais il y a quand même pas mal de nouveautés avec ce personnage de... J'ai déjà oublié son nom, Medina. Oui, peut-être, j'ai déjà oublié. Bref, prenez soin de vous et à très vite pour le prochain épisode de ce Let's Play.